Dans l'exposition de Marlène Dumas, Open End, qui ouvrira ce dimanche. Fantastique artiste qui prend tout le temps des risques et qui est tout le temps engagé. Et on est dans une salle particulière où elle a présenté une série toujours en train d'être continuée de portraits de grands hommes, tous homosexuels. La première fois qu'elle a présenté les dessins, c'était à Saint-Pétersbourg, en Russie, où l'homosexualité est interdite. Elle a réalisé aussi Jean Genet, qui est aussi à la limite, puisqu'il a rencontré son premier amant en prison. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les endroits de prisonniers? Et c'est son premier amant et l'amant avec qui il est resté le plus longtemps. Et de l'autre côté, vous avez Oscar Wilde, qui a aussi été emprisonné en Angleterre. Elle a réalisé ce tableau à partir d'une exposition qui était faite dans la prison d'Oscar Wilde, avec son amant à côté. Et l'idée de guérir les monstres, le diable, parce que dans la prison il y a l'idée qu'on peut entre guillemets guérir, faisait qu'il ne voyait jamais personne, et on lui mettait un chapeau qui faisait que quand il sortait il était aveugle, et il est devenu fou. Oscar Wilde a perdu son talent à cause de la prison. Donc elle questionne tous les rapports à l'enfermement dans tous les sens du terme. Plus tard, vous allez voir un tableau qui s'appelle Straight Jacket, c'est comme quand on est avec les jackets dans les maisons de fous. Donc elle renoue avec des grandes pensées comme Foucault et tout ça. Sur l'enfermement, elle a su très tôt ce que c'était puisqu'elle était en Afrique du Sud et sous le régime de l'apartheid. Et quelle est l'idée du scandale que Marlène Dumas a toujours mis sur ces tableaux? Elle a été toujours, scandaleuse, le thème qu'elle a traité. Alors, moi, je ne dirais pas ça du tout, parce que, et l'exposition le montre aussi, c'est qu'elle a peur de rien, donc c'est pas toujours scandaleuse, mais elle adresse les questions d'érotisme, de rapport au... Tout ce qu'elle essaye, c'est de proposer des échanges entre les gens et qu'on réfléchisse plus, quoi. Donc elle a peur d'aucun sujet, mais qu'on soit attentif à l'autre. Et elle fait pas des tableaux pour faire scandale. Elle a une main. Les autres, hein? Les autres, qui pensaient qu'elle était scandaleuse. C'était pas elle. Elle avait une idée plus libre, plus ouverte. Oui, parce qu'elle fait aussi des tableaux sur des mythologies, sur des choses qui sont complètement parties de notre culture, comme Shakespeare. C'est pas comme si elle cherche pas le scandale. En tout cas, c'est pas du tout le but de son travail. C'est au contraire de donner et de partager des choses qu'on a tout un chacun vécu de manière directe ou indirecte, que inclut la question de l'enfermement, même si on en est conscient.